Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Superliminal. Donc on vient de se réveiller, je vous rappelle, dans la suite F toujours, hein, on réapparaît toujours au même endroit, sauf que ce coup-ci c'est 4 heures qui a sonné au réveil et non pas 3 heures. Et on va continuer de découvrir le jeu, de découvrir l'aventure et de voir si on arrive à découvrir où on est tout simplement, vu que pour le moment les gens qui nous entourent ne sont pas fichus de nous le dire et sont aussi perdus que nous. Et l'une des dernières infos qu'ils nous ont donné à la dernière vidéo, c'était que si on croisait nos parents, il fallait les puncher dans le visage et partir en courant. Situation de tous les patients. Pourquoi ça l'a mis? Chemin alternatif. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Et pourquoi ça serait ma faute? Alors, est-ce que ce gros truc noir loin devant moi et ce dé avec des pommes dessus ont un lien? Cela pour moi, moi j'ai amené une canette géante. Ce qui me verra, c'est quand on est. C'est le truc d'isolation de Studio Sushi, ça. Quand on est en dehors des zones de rêve habituelles. Y a aucune musique, il y a une ambiance un peu lourde avec un ouf de fond. Et dès qu'on rentre dans le mode rêve, il y a petite musique douce, d'ascenseur, tout ça, tout ce que vous voulez. Alors là, je ne peux pas y aller sans objet. Oh, je sais toujours pas à quoi ça sert. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a des succès Steam? Peut-être. Ah mais non, des succès Steam. Je suis sur les pics. Nier. Rien ne va. Alors, j'ai rien compris. Alors. Ça fait mal aux yeux. Ah oui, tu m'étonnes qu'il parle de trucs d'épilepsie, ce genre de truc. Moi, ça me fait très vite perdre le Friendly Doctor. Donc, mars 91. On va s'en sortir. Là, tu m'en diras. Attends, encore une horloge. Ces fenêtres sont complètement factices. Est-ce que ça m'aide? Schéma électrique. Ouais. D'accord. Creators only. Oh, le dé. Le fameux dé. Oh, il y a une pièce de. Vous avez vu, vous aussi. Qu'il y a une pièce d'échec dessous. Est-ce que ça va me servir à quelque chose? Non, je peux pas la récupérer au vol. Donc, pour le moment, je vais me garder le dé. Hop là. Version un peu plus petite. Ça aussi, ça m'amuse. Je suis un gamin. Oui, et alors? Moyen d'aller dans le ciel? Non, je sais pas. Ah! C'est qu'un demi-dé, lui. C'est original. Je me demande s'il y a moyen d'aller dans. Là-haut, là. A priori, c'est un mur invisible. Hop, hop. Je dis hop. Je suis un handicapé. Là, allez. Là. Non, ça c'est pas cliquable. Encore un dé, décidément. Shell, it's wet. Ok. Toi, t'es pas volable. Alors, faites demi-tour, c'est glissant. D'accord. Hop. Hop. Ah oui, non. Do not cross. Si c'était si glissant que ça, est-ce que je pourrais pas rentrer dedans? Ça a pas l'air très glissant. Hein. Ah, encore une porte à travers laquelle je ne peux pas faire passer d'objet. Intéressant. Alors. Là, ça me dit d'aller par là. Et celui-là me dit. Dans ce sens-là, ça glisse. Non, je sais pas. Non. Ça y est, ils m'ont encore perdu.
Oh, d'accord. Je suppose qu'il faut aller par là. Je suppose. Est-ce que je peux le prendre dans le bon sens pour que ça éclaire devant moi? Voilà. Professional tip, the Adulte average moyen adult peut can supporter only 3 à 5 rêves par dreams nuit. Per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, Surcharge mentale explosive. Ouais. Reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental Veuillez exploser, s'il vous plaît, c'est pour votre bien, je vous promets. Il éclaire vachement bien ce truc. Ouais, c'est tout déformé. Ouais, bon, c'est passé, mais j'étais pas sûr de moi. Oui, il faut laisser. Ouh, mais il est pas très intelligent ce gosse. Alors là, c'est tout flou. Je me suis fait avoir comme un bleu. Employee only, yes, encore de la paperasse, je peux pas la signer celle-là, d'accord, là c'est vrai que ça donne la gerbe par moment, il y a des espèces d'effets de, alors, on peut pas casser le plafond, d'accord, donc qu'est-ce que toi je peux t'amener là où je veux, non, toi, je voulais voir les grilles si on pouvait faire quelque chose, mais a priori, faut juste continuer ma vie droit devant. Et pourquoi je suis redescendu là. Alors, on est encore en dehors de la zone. Le risque associé à la surcharge implique une incompréhension de toutes les autres solutions. Please exit this dream as soon as possible. Ok. Chef. Putain. Ah, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. On s'était fait exprès, mais j'ai tout cassé quand même. Est-ce que ça suffit ça? Ouais, c'est un peu... Ouais, je comprends. C'est un peu pas suffisant, quoi. Attends. Non, c'était presque bien là. Vite! À l'assaut! Alors. Putain. Et à chaque fois, ça. Non, ça recasse pas à chaque fois, heureusement. Yes! Je me doutais qu'elle allait avoir une bêtise, vu que tout s'est soit effondré, soit autre chose jusqu'à maintenant. Go! Hein? Hein? C'était le début, ça. Il fallait que j'aille là-haut au début et tout. Faisons demi-tour. Ah, un ascenseur. Alors, émotion. Expectation. Testeur, so far. Ah. You are here, yes. Highly affect dreams. Les gens qui ne rêvent que d'objets ordinaires sont ennuyants. Ok, donc ça c'est pas des objets à prendre déjà. Et bah allez. Feeling lucky. Casino et amusement. Oui, monsieur. Jusqu'à maintenant, les dés ici, hein, on sait tout ce que ça a donné. J'adore leur chargement. Allez, nouveau réveil, 5h du mat. Allez, lecture, je suis toujours Glenn Pierce. La section précédente, vous l'avez terminée.
you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Ah d'accord, c'est tout. Je pensais qu'il allait apporter un élément de réponse. Genre, mais non, ne vous inquiétez pas. Donc là, a priori, à chaque réveil, on parcourt le même chemin, mais il est une heure plus tard que tout à l'heure. Enfin, qu'à chaque réveil, d'ailleurs. Sachant qu'ils nous ont dit qu'il fallait qu'on survive à 5 rêves pour... Est-ce que ça va jouer quelque chose? Ça a l'air d'être un miroir de ça. Ok. Il fallait qu'on survive à 5 rêves pour déclencher une charge mentale et nous permettre d'accéder au truc de secours. Emergency only. Pas only d'ailleurs. Générateur d'urgence par cette voie, et vu que tout vient de s'éteindre, ben je suppose qu'il faut y aller, surtout qu'il y a un point de sauvegarde. Mais je le sens, moyen leur truc. Il y a encore un truc qui va se dérober sous une pièce, je le sens. C'est joli en tout cas. C'est bon, après c'est pas un triple A qui va avoir le plus beau décor du monde, mais qu'est-ce que j'ai piqué moi? Un extincteur ou je sais pas quoi. Ok, mais j'aime beaucoup la petite patte. Ah. Est-ce que ça aurait mal tourné votre histoire? Jusqu'à maintenant j'étais tout seul, on sait juste que sur le panneau juste avant de monter l'ascenseur il y avait d'autres noms de testeurs autres que moi. Et à a priori, il y en avait un qui avait été rayé de la liste. Et là, on voit des traces de sang. Alors, est-ce qu'il aurait été trop dans les zones qui nous sont interdites de base? C'est en train de tourner au jeu d'horreur. Il y a des traces de sang, les portes se ferment derrière moi. Je vais moins faire le malin tout à l'heure. Je suis pas du tout horreur, que ce soit jeu, film ou autre. Alors, lundi, meurtre. Mardi, meurtre. Mercredi, meurtre. Meurtre, meurtre, meurtre. Et le dimanche, Beans, je sais plus si c'est les haricots... Les petits haricots ou les haricots genre vert et tout ça. Je crois que c'est les haricots... Voilà, rigo quoi. Ok, et à part que t'as fait des meurtres sauf le dimanche, et qu'on va espérer être dimanche, qu'est-ce que je peux faire dans cette pièce? Faut pas d'objets ramassés. Ça s'est refermé. Est-ce que... Ah! Yes. Ça, c'est ma technique. Voilà. C'est ma technique dans ce genre de jeu. Ouais. Quand on n'y voit rien, au lieu d'avancer bêtement dans le noir et de ne plus savoir où je suis, je me tourne face au seul côté éclairé et je recule le plus possible ou j'avance le plus possible jusqu'à arriver à un endroit où je suis bloqué, je peux plus reculer. Et du coup, je sais que j'ai atteint la limite de la carte et comme ça, j'y vois toujours. Voilà, c'était ma petite astuce, c'est gratuit, pas cher, vous en faites ce que vous voulez. Là, il y a une porte qui est ouverte, mais j'ai bien envie de voir aller voir de l'autre côté du coup. Parce que quand j'ai testé, il y avait aussi un truc. Donc là, pareil, je garde toujours un point lumineux en repère. Ça a l'air d'être le même. Ok, bon. Bah. Allons-y. Die, 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 die. Non, merci. J'ai bien envie de survivre. Diet soda. Ah, die voulant dire meurt. Et ça voulant dire des sodas sans sucre. Quoi. Truc de diète. Et encore du sang, et encore une porte qui se ferme. Lucid dreaming, yes. Please add up. Exit to wake up. A priori, il n'y a pas une bonne grosse ambiance par là, mais bon. Vu qu'on doit y aller. Alors là, il y a un gros trou. Je ne me fais pas avoir. Plein de sang, enfin de pseudo-sang. Là, il y a un plafond chelou. Ferme un... Ah. Là. Oh, bien joué. Ah. Yes. J'étais pas sûr, mais vu qu'il n'y avait plus de bois, il fallait bien sauter à un moment. Du coup, je me méfie de tous les trucs noirs, j'ai peur de tomber dedans. Hello. My name is Dr. Glenn. La suite de la fameuse cassette sur l'inutilité de la personne. Désirer une vie heureuse. You know everyone else is enjoying, and that's exactly why we're here to help. Ok, donc ils sont là pour m'aider à vivre une vie heureuse. Pas un truc genre faire disparaître en montant. Non, je sais pas.
Oh, une vache avec du sang, mais c'est merveilleux. Là, il y a une figure, mais je suppose que c'est comme tout à l'heure, c'est pas un mec qui va me tuer, mais juste un truc qui est posé, genre, voilà. Parce qu'a priori, de ce que j'en avais vu, je pense pas que ça tourne vraiment au cauchemar, à coup de meurtre et tout ça, vu que de toute manière, je n'ai pas de main, je ne peux pas interagir, donc si je venais à me faire agresser... Il y a un point lumineux là-haut, tout seul. Si je venais à me faire agresser, ben, je pourrais pas faire grand-chose, donc... Je suppose que ça va rester safe. Et clac, j'en étais sûr, prévisible. Là, typiquement, on va faire ma technique. Voilà. Là, il y a un pion. Ok. Là, il y a une flèche. Ok. Vous voyez, ma technique, elle est pas du tout débile. Je fais ça dans tous les jeux où il y a des zones comme ça, mais sur ce jeu-là, c'est encore plus parlant. Vu que c'est un jeu qui demande ben, justement de faire des trucs de perspective. Donc la lumière, niveau perspective, il y a... pas beaucoup mieux. Voilà, il y a encore une porte. Vous êtes demandé de soumettre un lien, mais vous êtes désormais dans un rêve à l'intérieur d'un rêve. Vous désorientant davantage. Vous connaissez Inception, le film? C'est votre faute. Est-ce que je continue à reculer dans le noir ou est-ce qu'il faut que j'aille... Ok. Là, je peux pas aller plus loin. Là non plus, a priori. Mais je ne vois rien. Je peux m'éloigner de tout ça, donc c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose. Ah, je sais pas où je vais. Je sais pas si je marche encore ou pas. Je suis revenu où là? Je suis où? J'ai changé de couloir. Et je suis revenu au même. Bon, je sais pas. On va tenter de continuer. Hein. Sauvegarde. Une chambre rouge. Pour de la photo? Bonjour. Laissez-moi passer. Ah non, je pensais le mettre là et me faire du coup une... Ah, yes, je viens de comprendre. Donc il fallait aller là où je voulais aller. Mais avec une lampe. Voilà. Donc j'étais embuté contre des cartons. Allez, adieu petite lumière. Un soda! Yes. Je suis toujours en train de chercher le générateur. J'avais même oublié que j'étais en train de le chercher, mais... Tâche de sang, tâche de sang. Non, ça, ça sert à rien, a priori. Ok, même principe, on peut pas amener d'objets de l'autre côté. La lumière ne passe pas non plus. Si je la pose là, est-ce que ça m'éclaire? Ouais, pouf. Ah! Je peux pas l'attraper par la vitre, plutôt. Mais je n'y vois rien. Alors, comment je pourrais faire ça? Est-ce que si j'en fais un très grand, ça éclaire beaucoup? Ça m'a l'air pas mal, niveau éclairage. Ha! C'était intelligent, ça t'est... Ah! C'était intelligent, ça t'est. On continue tout droit. Ouh! Est-ce que je peux le prendre pour me défendre? Le plus je reste se produit chez moins de 1%. Un dentiste d'âme, à part me répéter que je suis un... Ah! Que je suis un incompétent qui a réussi à faire bugger la matrice, en gros, et qu'à part me mettre davantage dans la merde tout seul comme un grand, je ne fais pas grand-chose. Une adorable bonne femme, y a pas à dire. Toujours des traces de main, un couteau qui disparaît, toujours autant de sang par terre, si ce n'est plus. Même pas peur, mon gars. Non, c'est pas un trou. Même pas peur. Je te casse en deux. Ça me rappelle étrangement une marque suédoise. Allez, con. Pardon. On va dire des gros mots, voyons. Il y a de nouveau une petite musique d'ambiance et tout. Les enregistrements. Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller là? Je ne pense pas. Mais j'y suis allé. On va juste continuer a priori. Hein, vu qu'ici il a peur d'y avoir.
Ah ben tiens, ce n'était pas du sang. J'ai tilté. Je viens de tilter. Ce n'était que quelqu'un qui voulait repeindre l'entièreté du bâtiment, mais qui de toute évidence a échoué. Et a disparu depuis. Et le couteau, tu expliques comment? Alors, ben ça c'est un des principes voilà, que je vous disais tout à l'heure, la projection pour le faire plus grand. Symmetrical layputs. Ouais. Ouais. Ok. C'est des avocats, ça? Cloning. Lequel est le vrai? Order longer, freezer flaps. Too many, how many, really? Self-doubt. Non, je ne doute point. Enjoy. Eh bien, enjoyons alors. Voyons voir le futur loading. Là, je m'attendais à ce qu'il dépasse de la barre et qu'il tombe, ou comme de l'eau ou un truc comme ça. Eh ben nouveau réveil, mais ma foi multiple. On va s'amuser. Là, 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 là. Je les ai tous éteints, c'est merveilleux. Alors, 6 heures sur tous, donc ça, ça me paraît pas mal. Du coup, fin de cette deuxième partie de Let's Play, ou troisième, on verra les joies du montage. Normalement, c'est la deuxième. Et puis, je vous dis ciao, ciao, c'était Baderas.